Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Être routier, c'est pas sorcier, voilà c'est ça, même si dans les nouveaux c'est pas sorcier, bah y a pas de camion, j'ai remarqué. Mais bon, c'est pas grave, Marcel est mort certainement, ça doit être ça. Pendant que je dénoue ma manette de mon fil de micro, c'est un petit peu tendu, alors attendez deux secondes. Et ensuite, on y va tout de suite. Alors juste, je vais vous dire une chose, vous aurez beaucoup plus de Retrack Simulator désormais. Vous en aurez beaucoup plus, voilà, ça peut, il y a une chance pour qu'il y en ait quasiment tous les jours. Il y a une chance. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai 5 séries en ce moment, hein, Euro Truck, Steam Motion et les autres. Et ce que je fais, c'est que tous les jours, je vais sur random.org et je tire 3 numéros au hasard parmi ces 5. Et ce sera les épisodes de la journée. Voilà. Donc, si vous avez pas de chance, pendant 2 semaines, vous avez rien. Et bon, c'est quand même très peu probable. Et si vous avez de la chance, vous en avez tous les jours. Donc voilà, Euro Truck beaucoup plus souvent que d'habitude, désormais. Ça devient vraiment une série à part entière. Et je pense pas la terminer très sincèrement avant longtemps. Quand ça s'essoufflera quoi, mais bon je pense voilà. Quand ça s'essoufflera j'arrêterai et puis voilà, mais je pense pas que ça va s'essouffler. Donc, parfait. Parce que vous êtes fidèles et je vous aime. Alors la marchandise est prête pour le déchargement. Ah je l'avais pas fait. D'accord, bon bah je l'avais pas fait. Hop. Voilà, bon bah on reprend. Allez, on est parti. Ah oui, il faut que j'aille voir un réparateur, c'est vrai, parce que mon camion il est complètement usé. Alors, est-ce que je le fais? Oula, ça rame sévère. Ouh, j'ai failli accrocher complètement l'aile. C'est pas grave. Tourne! Ouais, gros. Allez, on va aller chercher une nouvelle mission. Bah, peut-être chez eux d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a une de bien. Alors, est-ce qu'il y en a une de bien? On a du Cologne-Francfort. On a du Cologne-Cassel. Ou on a du Cologne-Eusnabrück. Et bon, on va prendre Cologne-Francfort. Allez, tiens, regardez, 21,27 euros par kilomètre. Allez, on y va, on prend ça. Bon, bah du coup, je retourne en arrière. Et j'irai pas voir le réparateur du tout. Alors, attendez, je vais peut-être reculer ça. Alors j'ai plus le machin qui m'indique. Ah si c'est bon, j'ai retrait. Oh là là. Allez, on va chercher notre mort. Hop là. Comme c'est des petits épisodes, ça se prête parfaitement à mon nouveau système de 1 ou 2 par jour. Ou 3 plutôt. Donc c'est nickel. Bla 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 bla. Le levier fonctionnement du moteur, je m'en moque, c'est pas mon problème. Allez. Ça risque de le devenir. J'admets, mais pour l'instant ça l'est pas. Allez, on y va. Let's go! Attention à pas défoncer la remorque, donc je prends l'arme. Allez, c'est parti. Bon bah parti pour Francfort, bah voilà, hein, c'est très bien. Donc qu'est-ce qui va nous arriver sur la route? Je n'en sais rien. On verra bien. Ouh le mec, comment il a dû avoir peur dans sa voiture. Ouh là là, mais moi j'étais pas très rassuré, c'est pour ça qu'il me suit dessus. Il a dû avoir peur. Bon, allez, vas-y, toi, je te laisse quand même la prio. On passe derrière lui. Hop là, voilà, tac. On a une marchandise à livrer. On y va le plus vite possible. Pas question d'arriver en retard. En revanche, voilà, je continue à dire, je grille pas les feux. Bon, alors, limite, je pourrais griller par le côté, mais ça va passer au vert. Voilà. Tac. Nickel, on est parti. Alors c'est 50 la limitation, j'en ai strictement rien à cirer. Au pire je me ferai choper par un radar, c'est pas très grave. Et j'ai toujours ce fameux bruit à la noix. Le portable, alors qu'il n'y a pas de portable à côté de là où je suis. Qu'est-ce que tu fais sur la file de gauche toi? Tu vas me dire que t'es en train de le doubler peut-être. Tu vas me dire que t'es en train de le doubler. Tu t'es déjà pris des slaloms par des voitures. Et avant tu vas t'en prendre par un camion, hop là. Oh là 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 là, c'était magique.
Allez, c'est 90 maintenant, c'est pas comme si... Ah, je suis à 70. Je peux difficilement aller plus vite, il faudra que j'investisse dans un nouveau camion. Donc je pense que je vais faire un gros prêt à la banque. Ouais, un prêt à la banque. Et je vais m'acheter un gros camion, le meilleur qui soit, à la place d'acheter des employés. Il pourrait être sympa aussi. Allez, je continue tout droit. Écoutez, ils se mettent tous sur la file de gauche. Donc j'ai le tout par la droite, y a pas de raison. Toi, hop, là, on te fait le même coup que l'autre. Hop. Voilà. Conduit comme un gros chauffard. Allez, on tourne à gauche au bout de la route. En revanche, je vais commencer à freiner parce que là, ça freine. Et j'ai pas du tout envie de me manger une voiture, donc si je peux éviter. Allez, les gars, you can do it. You can do it. Allez, allez, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe plus vite que ça. Allez. De toute façon, je peux pas aller plus vite, je suis déjà au max. Voilà, tourne. Alors attention, ils ont tendance à freiner un peu avant de tourner. Je vais les griller. Allez, grille-le, 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 grille-le. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh non, il faut vraiment que j'aille voir le réparateur. Alors je pense que ça va être de la nationale. Donc bon. Oh là 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 là, c'est lent. Voir le réparateur. Oui, promis, je vais y aller. Il n'y a plus de limitation, mais voilà, là, bah, voilà, je suis coincé, je suis en côte, donc je peux pas aller bien vite. Il faudrait que je me lance. Voilà, là ça va commencer à descendre. Je vais pouvoir me lancer. Voilà. Mais après c'est bon, on sera parti à 70-80 et on va le rester. C'est nickel. Mais effectivement, il faut que j'achète un gros camion. Pour pouvoir aller à plus de 100, hein, je pense qu'il doit y en avoir qui le permettent. Hop là. Mauvais fonctionnement du moteur. Le machin s'est arrêté et est reparti quand même. Heureusement, il est reparti. Mais c'est pas grave, ça rajoute du suspense. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va lâcher et puis on va bien rigoler. Et moi, je vais perdre de l'argent. Alors, regardez, il y a une belle usine à gauche, là. On ne sait pas trop quoi, une espèce de hangar. C'est une usine, voilà. C'est très mignon. À droite, nous avons des jolis champs. Donc, il est 22h22, il va se mettre à faire nuit. Alors, je vais regarder ce qu'il y avait écrit sur le panneau derrière. Alors c'est bien, c'est qu'on retrouve des BMW parce qu'on est en Allemagne, c'est bien. Je trouve ça stylé qu'ils aient fait ça justement, on retrouve les plaques d'immatriculation, les... Enfin, un peu tout, c'est vraiment bien. Eh hey, salut copain, salut camarade. Voilà, est-ce quand même c'est bon, ils ont quand même le réflexe de s'arrêter. C'est quand même ce jeu, est vraiment, c'est un simulateur, mais il est vraiment très 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 bien fait. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Vraiment un excellent jeu. Toujours aussi bien. Donc c'est super. Allez. En plus, je suis plein en essence. Là, je vais pouvoir faire pas mal de kilomètres avant de retourner à la station-service. Pas grand chose à faire ni à dire là pour le coup, c'est calme. Bon, on va essayer de s'amuser quand même un petit peu parce que sinon c'est pas drôle. Alors attendez, faut que je trouve un moyen de m'amuser. Comment je vais pouvoir faire? Je sais pas encore. Alors je vais rentrer sur l'autoroute. Moi je suis à Francfort. Là il commence à faire vraiment nuit, je vais mettre les feux de route. Voilà, on voit quand même beaucoup mieux. Alors là ça tourne sec, hein. J'espère qu'il n'y a personne dans le virage. Mais je risque de chasser. Non ça, bon, ça chasse pas. Bon là je vais freiner un peu parce que sinon ça va pas passer. Déjà là c'est limite. Allez c'est bon, on prend un peu l'herbe. Voilà.
Ouh la côte, ouh là là l'entrée d'autoroute, il va avoir mal. Ouh, il a du mal, ouh, il a du mal, ouh, il a du mal, il a du mal. Allez, 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 tu peux le faire, oui, c'est bien, il n'y a personne derrière, j'ai regardé dans le rétro, on y va. De toute façon, ah bah il y a une voie pour moi. Et puis, de toute façon, même s'il y avait eu quelqu'un. Punaise. S'il te plaît, repars. Le moteur est reparti. Alors, je suis un peu coincé à 45 km/h sur l'autoroute, mais c'est pas grave. Là, il nous reste 89 km, ça va être vite fait. Bon bah là c'est balade tranquille, hein. Vous avez un peu tranquille. Voilà, si vous en avez plus souvent, bah enfin non, ça ne veut rien dire du tout. Là-bas il y a plein de camions arrêtés quand même, c'est très joli, hein. On peut regarder les détails pendant ce temps-là. C'est quand même très joli. Cette aire d'autoroute elle était un peu particulière, elle était vachement loin de la route, je trouve ça stylé. C'est vrai qu'il y en a des comme ça. Allez, on avance toujours nous pour Francfort. Donc petit à petit je vais m'enfoncer en Europe, je pense, hein, à moins vraiment d'avoir une mission qui rapporte plein d'argent ailleurs. Mais je pense que je vais m'enfoncer petit à petit. Alors il y a un pont bientôt. Attendez, moi je vais où moi? Ah, je vais tout droit moi. Par là. Hop là. Ça va, j'ai réussi à trouver un petit 90 km/h, c'est pas mal. Non, je me rabats doucement mais sûrement. Voilà. Alors, je suis bientôt arrivé, on a vu l'objectif sur la carte vite fait, l'espace de 2 secondes. Plus que 38 km, allez. On y sera très vite. Bah, il se sera pas passé grand chose d'excitant dans cet épisode. C'est pas grave. Alors, je sors ici, hein, je pense. De toute façon, je suis pas sûr qu'on ait trop le choix. Francfort, c'est tout droit par là. Ah non, si on peut continuer, mais. Voilà, moi je sors ici, personnellement. Ça me va très bien. Allez, le clignotant. Ausfahrt. Hop là, alors attention, ça tourne un peu sévère. Hop 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 hop. Voilà. Ouh, il y a un camion. Ouh là, j'ai failli vraiment aller dessus. Mais alors, je conduis avec mes feux de route partout. Techniquement, je suis pas censé le faire. Mais... Après tout, c'est des ordinateurs en face, pas des gens. Donc, je n'éblouis personne. Allez, je vais aller poser ma livraison. Francfort découverte, et ouais. Waouh, quelle belle ville. Il y a un motel et tout, trop de la balle. Allez, attention quand même au feu rouge. Bon, là, je vais enlever le feu de route quand même. Bon. Allez, ça passe. Ça passe au vert. Allez. 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 Allez, voilà. Allez, avance plus vite, s'il te plaît. Avance plus vite. Voilà. Voilà. Donc je me place ici, donc dégage ça. De toute façon, je suis un camion, je suis plus fort. Donc si tu me laisses pas passer, t'es écrasé. Moi, j'ai rien.
Ah non, en fait, c'est à gauche. Oh. Bon, là, on va les griller en revanche. Non, c'est pas très catholique ce que je fais, mais bon, donc là, je. Un petit peu marre de me traîner. Hop. Et hop. Alors, on va essayer de faire ça bien. Déjà, je commence mal. Je commence mal. Allez, je rattrape. C'est pas mal de sortir. Bon. Ah bah c'est bon. Nickel. Voilà. Excellent. Super. Hop là. Voilà, et bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!